Mirland Baniga, Calixte Floridor, Laurent Saint-Cyr, c'est trois moun sa yo qui pral gagner pour composer au Conseil national transition. Ayer 21 décembre 2022, dans Caribe Convention Center, eh bien, gouvernement Ariel Henry a été réuni ensemble avec des hommes politiques en de pays a fait pour signer un document qui porte nom document consensus. Consensus ça qui pral permettre yo organiser élection en de pays. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, nous pourrons attendre des déclarations Maître André Michel, ensemble avec Maître Renaud Georges. Pendant Ariel Henry Chita dans le Caribe a signé accord si là, eh bien, dans les Nations Unies, bagaille pas de pitié du tout. Il y a plusieurs pays qui votaient en faveur du déploiement de forces militaires en Haïti, alors que la Russie, c'est le seul pays qui était digne et ferme sous décision que était prise comme quoi la France, ensemble avec le Canada, qui a voué sanctions par-ci et par-là, c'est ensemble de pays qui pas respecté décision communauté internationale là qui donc question pour n'a voyer déploiement militaire en Haïti a li pas supposé à l'ordre du jour du tout. Mais quand bien même, le tout pays sa yo qui campait pour déploiement militaire, eh bien, moun yo pral essayer garder qui pourra que moun sa yo gagne sous balance pour voir exactement qui sa yo pral fait. Il y a un journaliste qui porte nom Kim Yves. Ha! C'est ça, journaliste habillé seulement. Li pas fait Ariel Henry ensemble avec Hélène Lalim. Quand elle démenti au couché sous situation pays d'Haïti. Et par ailleurs, membre du bureau de suivi de l'accord, fait connaître que y'a pas de jambes en contact ensemble avec Hélène Lalim, qui donc y'a pas au courant de ça qui t'a passé dans le Caribe Convention Center, ailleurs 21 décembre 2022. Nous prenons le temps de causer, t'as le ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info Section Information Noir avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille avec rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite vos familles ou vos amis ou abonnés avec InfoSec puis vous capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi à ce jeudi 22 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bien avant nous rentrer dans le développement de site, on a rappelé que Challenge Attack 609 là lui-même, lui a continué jusqu'à 26 décembre 2022 côté WAP gagné pour faire cover musique Yogobe Jojo. WAP seulement écrit dans 42 11 56 70 36 97 55 66. Un message qui dit moi voulais participer à qui email côté WAP recevoir ni instrumental là ensemble avec tout texte musical a fait pour capable participer dans gros challenge si là qui réservait yo paquet belle surprise pour nous pour fait année 2022 qui donc n'a prétend participation. Ça fait la clave ici. Qui est-ce qui s'y parle, ni qui livre? Ça s'en connaît, yo saboté. Oh, 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 oh,
21 décembre 2022. C'était une journée, mesdames et messieurs, qui était focus sur ça qui est ensemble avec la situation crise que le pays d'Haïti lui-même a fait face ensemble avec l'IA. Pendant nous t'es 14, eh bien, Ariel Henry, ensemble avec tout l'autre nègre politique et société civile là, toute journée, on t'es qu'on a réuni en catimini, boire champagne, célébré, parce que selon eux-mêmes, y'a t'es joué une route vers ça, nous capable de relayer un consensus politique qui capable de changer l'avenir du pays d'Haïti, parce que l'a capable de permettre nous organiser élection en d'un pays là, et même river faire référendum constitutionnel que président Jovenel Moïse t'est passé plus jour l'année lui-même l'étape prônée. Je vous dis à la consensus ça lui-même li bel et bien consommé puisque j'ai désigné trois mounes qui pral composé au Conseil national transition qui c'est Mirlande Maniga, ancienne candidate à la présidence d'Haïti et ancienne première dame d'Haïti, mesdames et messieurs qui a gagné pour représenter au Conseil national transition gagné Calixte Fleuridor et puis tout gagné Laurent Cécile. Mounsayo pral geye pour chita ensemble pour monter yon KEP pour capable organiser élection dans pays ya et mandat ça la durée jusqu'en l'année 2024, mesdames et messieurs, puisque ça pral bay exactement 2 ans. C'est pendant 2 ans ça y a discuté sous situation pays d'Haïti ya qui j'en pral fait pour organiser élection, comment on pral fait pour l'école là ouvert normalement, qui j'en pral fait pour capable kembe yon rythme de vie ensemble avec un peuple haïtien. Puisque nous au courant là, dans le moment de parler à la banque centrale, yon dollar américain vaut 144 goud. Et sous marché informel là, yon dollar américain vaut 160 goud. Yon gren zebouy à 35 goud. Ça veut dire, ça nous relève 7 dollars. Yon ti bidon l'huile à 300 goud. Qui donc, li vraiment important là pour nous penser pressé sous situation économique et politique pays d'Haïti. Yon pays qui gangsterise, yon pays côté la justice. Si même li pap fonctionne tout bagay net gagane jusqu'au cou. Donc peuple a pas konkone exactement qui jan li pral fait pour capable camper en face la vie chez ça qui pral vin pidu en dans pays d'Haïti. Dans moment n'a parlé à la Noël poko capable river Haïti côté Noël a passé pour river en Haïti alors que jeudi à 22 décembre la Noël c'est 25 décembre Noël poko capable river Haïti parce que mois décembre ça il semble toute bagaille sauf que mois décembre pas gain la gaieté pas gain la joie pas gain envie de vivre que moun yo konté gagné dans époque qui t'est passé yo. Jodi a la, c'est yon peuple, mes amis, qui vraiment blême. Yon peuple qui a un visage qui méconnaissable. Donc là, si Ariel Henry décide tout bon vrai pour mettre yon gouvernement de consensus sous pied, alors faut qu'il connaît que pays d'Haïti a besoin un pire soutien dans le moment. Peuple a besoin de soutien émotionnel, soutien spirituel et soutien économique et politique. Pays ça fait trop de temps, il a sombré dans ça que nous gagnons là. Donc, l'autre jour, pral mette Conseil national transition sous pied. Alors que il y a un paquet d'autres membres de la société qui pas participé, même si on a participé tout, c'était du pareil au même, depuis que la communauté internationale là, lui-même, lui accepté son affaire. Depuis l'accepter son affaire. Parce que c'est lui-même qui supporte nous. C'est lui-même qui kebe nous là, côté nous yé. Donc, je vous dis là, mesdames et messieurs, c'est vraiment important pour nous capables de comprendre qui ça qui a passé en dans le pays d'Haïti. Eh bien, après un côté si là, t'es fin fait, côté papier lui-même, il t'es fin sié. Mettre André Michel, pas te mettre de l'eau dans la bouche pour le montrer, par A plus B, pour qui ça consensus ça sié et qui ça n'a gagné besoin. Ensemble avec moi, en tête des déclarations, maître André Michel. Merci. Encore. Premier ministre, là, il pas de vle engager le pays dans un processus électoral sans pas gagner le maximum d'adhésion possible. Et il travaille, il prend bâton pèlerin, il marche chercher mon autre côté. Et je dis, monsieur Gad. André Michel, lui, qui a dit, Ariel Henry prend bâton pèlerin,
marché chercher monde tout côté. Même André Michel ça qui t'a déclaré que Ariel Henry pas gain bagage légal à constitutionnel pour mettre un gouvernement sous pied. Monsieur, les intérêts en porte qu'on côté vrai, c'est gros bagaille oui. C'est gros bagaille peuple haïtien. Là pourquoi gain intérêt dans bagaille après pour intérêt ça a vini. Ouch maman, bagala bon. Bagala go. On est en consensus avec le secteur privé, avec la grande société civile et aussi une bonne partie de la classe politique. J'espère que ce consensus pourra permettre que nous allions de l'avant. Le petit consensus pourra permettre que nous allions de l'avant. Ça veut dire que nous sommes d'accord que à cette phase des débats, il faut poser les jalons à permettre que nous vivions effectivement nos véritables transitions. Pour nous passer pouvoir à des membres de la population choisis lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible le gouvernement pourra compléter la Cour de cassation. Le plus vite possible, nous pourra monter un conseil électoral provisoire avec la participation des différents secteurs de la vie nationale. Alors, ce que Jovenel Moïse a gagné tout bagage pour te monter en conseil électoral provisoire, nous te dit ça, t'a fait à pas de bon. Je ne dis pas, nous avons bol graisse, nous avons envie pour monter conseil. À la belle bagaille, ça, c'est pouvoir. Pour aller en gouvernance qui rassure le plus de monde possible et que le pays a pu aller en mode électoral. Mais nous tous nous connaissons, quels que soient les efforts du gouvernement, quels que soient les efforts de la police nationale d'Haïti, pour nous arriver effectivement dans la réalisation d'élections en Haïti, il faut que nous gagnions une assistance internationale. D'ailleurs, nous-mêmes nous disons sans aucune hypocrisie, la police a fait du bon travail, mais la police n'a pas suffisamment de moyens pour craser gang PHTK mettait dans le pays pendant les 10 dernières années. Pour nous, cette assistance internationale est nécessaire pour que nous puissions avoir des élections en Haïti. Et espérer que porte dialogue là, porte consensus là, l'a toujours été l'ouvrir. Ça veut dire, monde qui passe un jour, il y a pas si un demain. Ça passe un demain, il y a pas si un en janvier. Ça pas venir en janvier, il y a pas venir en février, il y a pas venir en mars. L'essentiel, c'est que maintenant, il faut démarrer avec le processus. Et déjà, nous choisissons deux membres pour HCTA déjà. Société civile a désigné, le secteur politique a désigné Mme Mirland Hippolyte-Maniga, un choix extraordinaire. Et le secteur privé, je crois, va désigner son représentant. Il faut aller de l'avant, on n'a pas le choix. Et pour le dialogue, là, toujours été l'ouvrir. Nous ne voulons pas quitter personne derrière. Nous n'avons pas d'intérêt pour nous quitter personne derrière. Mais le moment arrivé pour que, effectivement, les jalons capables de permettre de réussir cette transition, les jalons qui peuvent permettre que nous fassions l'élection dans le pays, pour qu'il y ait des autorités légitimes qui viennent, le moment arrivé pour y opposer, il faut compléter la Cour de cassation, il faut monter le Conseil électoral pour le soir, et il faut une gouvernance qui rassure tout le monde. Il faut que le gouvernement prenne responsabilité, mais il faut que la communauté internationale apporte support à nous tous. Parce que sans le support de la communauté internationale, sans cette assistance étrangère, nous ne sommes pas capables de faire élection en Haïti, parce que c'est un pays gangstérisé dans chaque coin de chef de gang. Est-ce que son consensus nous sert pour nous donner une légitimité avec l'intervention étrangère là, ou son consensus nous sert pour nous donner une légitimité avec le Premier ministre Ariel Henry? Le Premier ministre Ariel Henry est au pouvoir depuis 17 mois. Le Premier ministre Ariel Henry a déjà gagné un accord au mois de septembre qui est Mali, une base de légitimité. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de rester au pouvoir. Le plus important, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait de bonnes élections. Et pour gagner l'élection, le Premier ministre comprend, et nous comprenons tout dans le 11 septembre, il faut qu'il y ait plus de monde qui est embarqué dans le bateau. Alors, consensus ça qui s'y aujourd'hui avec la classe politique, le secteur privé, la société civile, les viser à créer les conditions pour que effectivement nous mettons le pays en mode électoral, nous faire révision de la constitution et que la direction du pays le plus vite possible nous remette à des mondes que la population a choisi. C'est dans cette direction que nous allons aller. Et les mondes qui a essayé de marquer par sous place, nous invitons à venir parce que la porte du dialogue sera toujours ouverte et pas jamais fermée. La porte du consensus pas jamais fermée.
Nous tenons peuple haïtien, la porte du dialogue pape Jean fermé, la porte du consensus pape Jean fermé qui donc moun kap make pas sur place yo top ri. Y a prétend nous pour nous vinn signer consensus national là parce que bagay yo yo même c'est pas jouette qui a fait dans moment là. Même dialogue ça Jovenel Moïse s'est fait plus passer de l'année, la marché kemande devant opposition, devant classe politique là, devant secteur privé. Même dialogue ça que Jovenel Moïse même lui te proposé pour retirer pays d'Haïti dans sa lien là. Je dis à là, si la porte du dialogue était ouverte, Jovenel Moïse t'a vivant. Je dis à là, si la porte du dialogue était ouverte, nous t'a gagné un président qui te pour prendre responsabilité dans pays là. Mais non, Jovenel Moïse n'était pas l'homme au dialogue. Il n'était pas l'homme qu'il fallait au pouvoir. Parce que ce type-là, il était un emmerdeur. Jovenel Moïse, pas t'a arrêté là même du tout. Parce que Jovenel Moïse, t'es campé en quoi? Que tout ça, qui t'a dit pays d'Haïti pas avancé, yo. Jovenel Moïse, malgré tout gabji, malgré tout mauvais moment le fait peuple haïtien passer dans deux premières années mandat yo, eh bien il était venu prendre une repentance, il est venu repentir, il dit OK, tu restes là c'était pour peuple là, et oui tu restes là c'était pour peuple là tout bon vrai, mais nous pas comprendre, nous pas réaliser parce que selon nous-mêmes Jovenel Moïse pendant jambou intégré une opposition qui était sans calendrier, qui était sans plan, qui était vendre nous Jovenel Moïse maléfique. Là, la porte du dialogue est ouverte. La porte du consensus est ouverte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc c'est ensemble de moun sa que nous gagnons qui a dirigé pour nous. Faut que renforcer au plus vite la Cour de cassation. Faut que conseil électoral provisoire mette sous pied. Faut que élection organisée, des choix judicieux. C'est ça qui a passé actuellement là. Montez les jalons. Et gros français, avocat qui frappe dans l'estomac après tout le monde, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous avez utilisé des mots pour ne pas comprendre ou même. Donc là, c'est comme ça que Bagayo a passé actuellement en Haïti, mesdames et messieurs, côté d'après Mounsayo, yo jouen yo consensus pour capable organiser élection en dans pays d'Haïti. Dans les Nations Unies, le s'est transformé en vinaigre. Pendant que divers pays, tant que République Dominicaine, Kenya, Arabie Saoudite et pays africains ont été capés au 10 fois gagnant intervention militaire en Haïti, Brésil, Mexique, fois gagnant intervention militaire en Haïti, Canada, comment moun sa yo chita, la Russie dit, bon, gardez nous, non. Bon, gardez nous qu'a fait une politique sale, une politique sadique en Haïti et puis d'avoir 10 fois gagnant intervention militaire. Bon, regardez nous qu'a fait un modèle politique tête chatte et tête chargée dans le pays d'Haïti. Après ça, pour nous dire, faut gagner une intervention militaire. Donc, ça veut dire nous pensons que c'est une intervention qui pourrait résoudre le problème du pays d'Haïti qui est aussi complexe. Là. La Russie, quand Pékin, Kalagadash. Eh bien, Sœur Hélène Laïm vient avec un rapport. Dans le rapport, ça, la montée par A plus B, comment que gouvernement Ariel Henry lui permet gaz à circuler, comment gouvernement Ariel Henry lui permet peuple à aller au souffle. Eh bien, mesdames et messieurs, en temps de déclaration, Kim Yves, journaliste ça, qui va manger un rien, qui fera être chéri. Depuis journaliste ça paraît, tout va commencer par être le glacé, parce que on n'a pas chauffé. En temps de déclaration. Premièrement, que veut dire Madame Laïm lorsqu'elle parle de bande organisée criminelle, mais qu'elle ne qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel? Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversations téléphoniques avec Joseph-Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henry a
congédiait un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalim, est une fédération dirigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Varro, ont été érigées en solidarité avec la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Mme Lalim a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une semi-vérité. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalim a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avait convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère, qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Les auteurs, ceux qui proposaient cette intervention étrangère à Haïti connaissent très bien l'opposition des Haïtiens. Ils savent très bien quelle est la situation. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Haïti, Pamela White, a laissé entendre ce mois-ci que le gouvernement Biden allait déployer 2000 individus pour faire appliquer la loi en Haïti. Certains responsables ont également envisagé de déployer des petites unités de forces spéciales pour former la police haïtienne. Comme au Vietnam, au début des années 60, ceci risque d'avoir bien des conséquences. Il est à noter que, encore une fois, Pamela White a recommandé lors d'une audience au Congrès en mars 2021 que le président Moïse soit mis de côté et que Washington privilégie une option de premier ministre. Nous savons ce qu'il en est. Dimanche soir, nous sortons une case et un petit petit plat. Hey! Donc, c'est quoi ça au démonter, vous entendez? C'est quoi ça au démonter? Mais quand il y a là, à comment t'en as dit, pas de jamais contact avec Hélène Lalim. Ça, nous pouvons qu'à quoi, parce que moun sa yo, zafè yo y'a prégué par en bas, peuple là pas au courant de lui. Eh bien, là, journaliste, là, avili Hélène Lalim avec tout gouvernement Ariel Henry. Pour qui ça, nous besoin d'intervention militaire? Pour qui ça, sous paquet demi et semi-vérité, nous toujours avons baille dans l'ONU, nous pas jamais baille vérité à Jean-Lié, ya. Qui donc là, mesdames et messieurs, nous, au moins, qu'il y a des cérémonies qui a réfléchi sur la situation pays d'Haïti, qui est plus loin par ses poètes. Yo vle que situation lui-même li résoudre. Et voilà, c'est comme ça lui-même li teye en résumé dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous bon rendez-vous pour prochaine sortie rubrique. Ça reste baigné, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.